Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le 7ème épisode de mon Let's Play sur le jeu Banished saison 2. Alors, vous avez essayé la dernière fois, on avait... Oula, ça y est, ils repartent tous sur ce boulot. Oh, un enfant est né. On avait des problèmes à ce niveau-là, au niveau du marché, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez, j'ai fermé le jeu, je l'ai relancé, et tout d'un coup, tout le monde se met à travailler. Ok. Je ne comprends point cette logique. Fallait juste les pousser un petit peu et c'est bon. Ah ouais, je sais pas, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Fallait juste que je relance ce jeu pour que ça donne quelque chose. C'est très étrange. Alors, je me suis renseigné un petit peu sur comment je devrais gérer un peu mieux mon village. Alors déjà, j'ai fait quelques conneries que j'ai pas forcément très fait exprès. C'est que j'ai fait des mines déjà qui sont qui sont très proches parce qu'après ça va laisser des gros trous dans le sol et que je pourrais pas virer. J'ai utilisé des champs alors que c'est pas très conseillé en début de partie, c'est plus vers 60 personnes. Et aussi j'ai concentré mes habitations au même endroit. Ce qui est pas très intelligent étant donné que, ce que je ne savais pas, le jeu gère à peu près intelligemment les habitations. C'est-à-dire que là, si je mets des maisons ici, ça sera plutôt les travailleurs ici qui vont y habiter. En l'occurrence, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que je devrais plutôt faire ceci. Voilà, mettre des wooden houses juste là. J'en mets une ou deux. Ou trois. D'ailleurs, on va mettre en pause. On va pas tout mettre. Voilà, je mets des wooden houses pour libérer un peu la place. Deuxième chose qui va pas, c'est que bah, du coup je me suis bien trop éloigné en fait. Pour l'instant c'est pas bien géré de ma part en fait. J'ai vraiment trop éloigné ma population. Enfin mes centres d'activité sont un peu trop éloignés. Parce que j'ai essayé d'avancer en fait directement sur le territoire. J'ai essayé d'avancer le plus loin possible pour pouvoir avoir la place. Sauf que c'est pas très intelligent, j'aurais dû me déployer plus doucement. Ce que je n'ai pas fait, évidemment. Tiens, ils ont enlevé des arbres. Ah, il y en a qui ont été replantés, ça repousse. Ça veut dire que... Ah non, ils n'ont pas eu de bois. D'accord. Aussi, un truc que j'ai pas compris, par contre, effectivement, le fait qu'ils se mettent soudainement à aller récolter des choses sur le... Bah, sur le terrain, quoi. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin, c'est pas une mauvaise nouvelle. Ils se mettent enfin à travailler. Donc on a des problèmes de bois, mais c'est surtout le woodcutter qui me fait peur, là. S'ils pouvaient travailler un maximum, ça serait cool. Donc on a énormément de nourriture, ce qui est très bien, parce que du coup, j'ai plus besoin d'autant de fisherman que je pensais. Enfin. Donc là, faut que ça avance. Vite, s'il vous plaît. Parce qu'une fois que j'aurai posé ça, en fait, ça va permettre de mettre un... Ce qu'on appelle des vendeurs. Ils sont où? Traders. Non, voilà, vendeurs. Je mettrai des vendeurs. Qui vont en fait faire des allers-retours entre les espaces de stockage et ici. Et je mettrai du coup des maisons autour. Un chemin pour aller jusqu'ici. Puis je mettrai des maisons un petit peu là aussi, histoire de mettre... Les bons habitants au bon endroit. Builder, forester, farmer, fisherman. Allure. Ok, on a eu un mort. C'est lui qui a... C'était un fisherman qui est mort. Il a été remplacé. J'ai toujours que deux enfants, ce qui m'énerve. Ça m'énerve. Parce que du coup, je crois que je suis sûr que j'ai des maisons où ils sont 4, 3... Voilà, ils sont beaucoup trop. Ils sont beaucoup trop. Parce que ça veut dire que il y a qu'un seul couple reproducteur par maison. Donc ça veut dire que là, s'ils sont plus que 3, ça commence à être très très lourd. Donc en l'occurrence, il faudrait que je lance des... On va lancer des maisons. Lançons des maisons. Petit autosave. Je vais accélérer le temps, je vais mettre en x10. Je repasserai en x5 un peu plus tard.
J'aime pas trop passer en x10 parce que c'est un poil dangereux quand même. Alors on va avoir des nouvelles maisons, ce qui est bien. Si possible, est-ce que ça serait pas ceux qui travaillent ici, qui pourraient habiter ici? Comme ça on aurait moins de problèmes à ce niveau-là. Allez, laissez-moi ces maisons. Farmer, builder, évidemment c'est pas les bons. Alors ils m'ont... Enfin j'ai lu un petit tricks qu'il faudrait faire. C'est en fait il suffit de les faire déménager et ça les réorganise correctement. Il faut les forcer à déménager et c'est pas très compliqué. Il faut en fait lancer l'ordre de destruction, ça va les faire déménager. Et ensuite il faut annuler l'ordre de destruction. C'est ce que j'ai compris. Woodcutter, gatherer. Déjà c'est plus intelligent. Hunter. Ah bah voilà, ils ont automatiquement déménagé. Pas de problème. On a eu un mort. C'était un... Deux morts. Nos deux herboristes sont morts. Eh merde. Bon, on va remettre des herboristes. Du coup j'ai beaucoup moins de travailleurs. Je commence à avoir des morts, ce qui est très très embêtant. Il faut impérativement qu'il y ait de nouveaux enfants. Ouais mais en même temps 70 et 66 ans, ils commencent à être vieux. Hein. Je vais avoir mon premier choc démographique. Ma première galère. Il faut vite de nouveaux enfants. Allez. Oh là là. Ah, un enfant. Ok, encore un mort. Cette fois-ci, c'était un stonecutter. Qui, du coup, va pouvoir... Mais j'ai viré un truc, là. Non, c'est pas ça. Voilà. Peut-être pas besoin d'autant de stonecutter, d'ailleurs. Pas besoin d'autant de stonecutter. Hunter, herboriste, voilà déjà c'est un peu régulé correctement, c'est à dire qu'ils sont mis au bon endroit à peu près. On a des enfants qui naissent, on est remonté à 48, ce qui est une bonne nouvelle même si on va encore avoir des morts je sens. Voilà évidemment, donc c'était un builder qui est mort. Ha. Il faut plus de naissances. En fait, j'ai fait pas assez de maisons. Clairement, j'ai pas fait assez de maisons. Ça va pas. De même, j'ai pas assez de firewood. Ah, un forester qui est mort. Je n'ai point assez de bois. Vous voulez pas me couper tout ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'elle fait? Ils sont trop loin en fait, ils sont bien trop loin. Ils sont bien trop loin, ce qui du coup en fait me fait dire qu'il faut... Voilà, passer en 5, pour éviter les problèmes. Il faut que je fasse ça, il faut que je refasse des maisons, tac. On va en poser. Écoute, je vais être en pause. Construisez-moi ces maisons, histoire que les builders puissent se mettre ici. Oh là là. C'est la galère, j'ai vraiment pas assez de bois. Le woodcutter est mort. Oula, le woodcutter est mort, non ça va pas. Ça va pas du tout. Cra. Et pourquoi j'arrête pas de fermer cette fenêtre? Je ne comprends pas. Mauvais réflexe. Donc on a quelques gosses. Il y a déjà 5 enfants, ça fait 46, on a perdu 2 hommes. Ah! C'est pas bien. Pas bien du tout. Qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est tellement aléatoire ce qu'ils font comme travail. Je sais pas trop comment réagir en fait.
Il va chercher des ressources, il va chercher à manger, il va chercher à manger. Il va se mettre au chaud. Je crois que c'est trop loin en fait. Faudrait qu'il fasse des maisons ici, que les builders puissent emménager là-bas. Sauf qu'on n'a pas assez de bois, on n'a rien. Ça ne va point. Ça va point du tout. Des gros problèmes de bois. Ah là là, je suis pas bien. Plus ce storage qui est complètement plein. Oula, Stonecutter va se crush by a rock. D'accord, on a plus de Stonecutter, en même temps j'ai suffisamment de pierres comme ça. Allez, construisez-moi ces maisons. Et apportez de la pierre. Oh là là, travaillez. Vous m'énervez à pas travailler comme ça. Bon, il y a personne qui se tourne les pouces, c'est déjà ça. Sauf que ça travaille pas beaucoup. Chercher des ressources, chercher des ressources. Ça se tourne pas mal des pouces quand même. Peut-être à cause du bois. On va mettre en pause. On va mettre en pause ici, éviter qu'ils prennent trop de bois. Oh. Et problème de bois les mecs. J'ai des gros gros problèmes de bois. Qu'est-ce qui se passe toi? T'es paumé? Donc le bois remonte un peu. Il redescend. C'est yo-yo. C'est génial. Attends, qu'est-ce qui lui va pas lui? Il a pas de job. Ah d'accord, mais c'est le blacksmith en fait. Ça tombe bien, tu peux travailler à ce que j'ai demandé. Alors après, ce qu'on pourrait faire... Cancel removal. Voilà, on va leur arrêter de leur demander trop de trucs. On va essayer de leur demander que de la construction. Peut-être que c'est ça le problème. Bon, le firewood remonte. Le bois aussi. Bon, par contre, les outils, ils se gassent la gueule. Un fisherman qui est mort. Faut que je te remplace quand même, parce que sinon, ça va pas aller si on est à moins de la moitié. Oh là là. Ah. Ouais, peut-être qu'ils vont finir par construire le truc. Peut-être. Ah, une fois que ça sera fait, ça sera bon. Histoire qu'il y ait des builders qui emménagent par ici. Tombe dans ce cimetière. Il y a un sans outil, ça y est, il se retrouve sans outil déjà. Ce qui va pas du tout. En plus c'est l'hiver, ils ont besoin de trucs chauds. Je suis bien embêté. C'est le problème du bois que j'arrive pas à remonter quoi. C'est assez incroyable. J'arrive pas à gérer le bois du tout.
Il n'y a pas une assez grosse production ou j'en utilise beaucoup trop, je sais pas. Combien il produit? Il produit 171. Mais il passe où les 171? Qui est-ce qui consomme tout le bois? Le woodcutter et le blacksmith, ça m'étonnerait quand même. Ça fait quand même beaucoup 171. On a un laboureur supplémentaire. On a beaucoup de personnes sans outils là, ce qui m'embête parce que ça fait 20% de production en moins. Sauf que là, j'ai tellement de problèmes de bois que je peux pas me permettre de relancer le blacksmith. Il fait trop chaud. Ah, ça y est, ils peuvent enfin commencer à construire ça. D'accord. Ils sont tellement loin. Tellement loin. Oh là là. Allez, finissez ça, s'il vous plaît. C'est trop lent. Je suis en x10, hein. Je vais peut-être rester en x10. Une fois que j'aurai fini cette maison, ça sera déjà peut-être mieux. Je pourrais lancer des ordres alors qu'il reste là-bas. Allez, emménager. Un stonecutter et un mineur. Mais c'est pas vous qui devez emménager là. Pff. Oh là là. Ok, des ressources. Vous devriez pas emménager là, vous. Faut du bois. J'ai demandé de récupérer que le bois et puis ça ira bien. Bon, alors, rien ne va plus. En fait, si ça va, étant donné que j'ai suffisamment de nourriture, pour l'instant, ça va. Le pire est évité. Après, j'ai trop peu de bois, quoi. Ok, on a un forester. Évidemment, c'est exactement pas le meilleur endroit pour se placer. Allez, récupérez-moi du bois. Là. Je veux un max de bois. Builder, laboureur, c'est déjà mieux. Je pense qu'on va pouvoir relancer le blacksmith. Allez, on relance le blacksmith parce que là, j'ai trop de personnes sans outils. Bon, maintenant que j'ai mes deux premières maisons qui sont un peu... Bon, elles sont éloignées, mais c'est pas très grave. J'ai cru voir... Non, c'est moi. J'ai cru voir un nom pourri. On a 7 nouveaux enfants, ce qui est très bien. Allez, coupez-moi du bois, vite. Un huitième qui arrive, donc ça continue. Par contre, il est tout seul, Rosario. Tac. Ça commence à aller mieux. Maintenant, je vais faire ça. La question est, est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va passer? Là, on est passé à 46 de bois, ça remonte. Ce qui est à la fois bien et pas bien. Ça travaille quand même, ça travaille. Enfin, j'ai envie de dire. C'est fou, il aura fallu attendre la fin de l'épisode pour qu'il finisse à travailler. Enfin, qu'il finisse par travailler. C'est grave. Tout un épisode où ils ont absolument rien fait, ou presque. Ouais. D'ailleurs, on dirait que la nourriture descend.
C'est pas bon. C'est pas bon du tout. La nourriture descend, ça ne va pas. On va remonter les fishermen. Allez, maintenant il faut qu'on construise ça. Et puis au passage, je voudrais plus d'arbres, toujours plus d'arbres. Enfin, plus de bois quoi. Parce que tant que j'ai pas lancé un nouveau Forester Lodge, ça va pas. Pour l'instant, je veux du bois, je veux que ça se construise. Mais ça risque d'être dans le prochain épisode. On est à combien en population? On est à 50. 50, ça y est, on est au quart. On est au quart. C'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Bonne parce que ça veut dire que ça avance. Mauvaise parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Et que ça va devenir ça va commencer à être compliqué à gérer. Alors que jusque-là, ça allait à peu près. Enfin voilà, j'ai pas assez d'outils. J'ai genre 0 outils, c'est affreux. Enfin, on verra tout ça dans le prochain épisode. Toc, petite pause. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et je vous retrouve dans 3 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.